m'appelle Audrey Poussier, je suis auteure illustratrice de livres pour les enfants. C'est un lapin rose, effectivement. Certaines personnes me demandent ce que c'est comme animal, donc je confirme que c'est un lapin. Les enfants n'ont aucun doute là-dessus. Et bon, il lui arrive quelques aventures. Il a un cœur de copain, d'amis, qui réagissent avec lui à ce qu'il vit ou à ce qui se passe. Et voilà. Il a souvent le dernier mot, il a un mauvais caractère et il est de mauvaise foi. Voilà, je ne sais pas qui est ce lapin, mais voilà. Ça, ce sont des livres que j'ai fait déjà il y a longtemps, parce que le dernier, je l'ai fait il y a 5 ans. Et autrement, ce ne sont pas des livres qui se suivent, ce sont des aventures que j'écris selon mes désirs, mes envies, et qui sont tous différents et qui ne sont pas faits dans le même format, pas avec la même technique. Je réfléchis à chaque fois que j'aborde une histoire à la manière dont je vais la faire, la dessiner. Et voilà, puis parfois j'illustre aussi les textes d'autres personnes. Alors là, j'ai fait 2 livres. Le premier s'appelle Castor Têtu, il est sorti à l'automne. Le prochain s'appelle La monture de Castor Têtu et sortira à l'automne prochain. Et ce sont des histoires de Jean Leroy. Et c'est l'aventure d'un petit Indien, un petit garçon indépendant qui a déjà 5 ans. Et voilà, qui veut apprendre des choses. Et là, je suis assez contente de ces 2 livres. Et on fera peut-être une 3e collaboration avec Jean. Et là, je suis en train d'écrire un livre que j'ai écrit, inventé. Voilà, je suis en train de commencer les dessins. Là, c'est... je pense que c'est une petite fille, mais pour le moment, c'est même pas défini, qui a des frères et sœurs, des parents embêtants, et qu'on laisse pas faire tout ce qu'elle veut, et qui décide de... Ah, je peux pas vous en dire trop quand même, parce que c'est pas fait, mais qui décide de partir en mission toute seule, en s'échappant par le plafond de sa chambre. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Alors, le plus souvent, c'est l'encre de Chine et la peinture, aquarelle. Et soit je dessine au pinceau, soit je dessine à la plume. Voilà, tout simplement. Alors, il est prévu pour quand il sera terminé, parce que c'est beaucoup de choses à faire en même temps. Et j'en ai aucune idée. J'espère qu'il sera terminé l'hiver prochain. Mais même s'il est terminé l'hiver prochain, si je l'ai rendu à temps, il y a tout un délai aussi d'impression qui fait que je ne peux pas vous dire quand il sera... Mais à mon avis, pas avant le printemps prochain, voire l'automne prochain. Enfin, l'automne, pas celui-là, celui d'après encore. Voilà, je sais pas trop. J'ai fait un jour une bande dessinée de 2 cases. Et voilà, c'était facile. Mais personne ne l'a lu. Voilà, parce que j'ai pas osé la montrer. Je trouve que c'est un peu... Non, c'est un autre métier. J'aime bien lire, mais après, on verra.